Au cours des derniers jours, ils ont été nombreux à exprimer leur colère. Indignés, une partie de l'opinion publique les face au retour sur scène de Bertrand Canta. Condamné en 2004 pour le meurtre de Marie Trintignant, l'ex-leader de Noir Désir s'est lancé début mars dans sa toute première tournée solo depuis sa sortie de prison. À chacune de ses représentations depuis, des manifestations sont organisées par des anonymes choqués. Mardi soir à Grenoble, les choses ont d'ailleurs failli dégénérer lorsque Bertrand Cantat est allé à la rencontre des manifestants. Mais ce qui bouleverse encore plus l'opinion, c'est l'émotion ressentie dans la voix de Nadine Trintignant lundi soir dans Stupéfiant, ou dans celle de Samuel binchetry l'ex-mari de Marie Trintignant, mercredi sur le site. Forcément, en voyant François Cluzet mercredi soir sur le plateau du JT d'Anne-Sophie Lapix sur France 2, les téléspectateurs ont pensé que l'acteur allait lui aussi faire part de sa colère, de son indignation, lui qui a eu un fils avec Marie Trintignant. Venu faire la promo de son dernier film, Le Collier Rouge, François Cluzet a refusé de s'exprimer sur cette affaire pour la plus belle des raisons l'amour de son fils. Ne m'en voulez pas. Ce n'est ni contre vous ni contre les téléspectateurs, mais j'ai fait une promesse à mon fils qui m'a demandé dernièrement de ne plus faire aucun commentaire sur cette histoire. J'aime mon fils et je ne veux pas le trahir, donc je crois que tout ce que je pourrais dire remuerait le couteau dans la plaie.